parle, où je dois parler le français. Est-ce que ça coïncide avec cette génération, puisque après qu'ils soient sortis des cours de l'école, est-ce que ça coïncide avec les cours de locuteurs qui chutent après cette génération-là? Pas tout à fait. Dans le sens, en fait, ça va être la génération d'après. Hein. Grosso modo, je vais exagérer un peu. Au fond, ce sont les générations qui vont mentaliser cela, qui vont intérioriser cela. Donc, effectivement, c'est pas bien. Et qui vont, en quelque sorte, d'autres choses qui vont intervenir, mais pas tout ça, et qui vont intérioriser, mais qui vont également être faciles à apprendre le français. Là, c'est les deux à la fois. On leur interdit. Il y a cette vision effectivement mentale négative et stigmatisante qui est présente, qu'on ne souhaite pas non plus forcément transmettre. Et en même temps, c'est vrai que ça force, je veux dire, plus ou moins bien, d'apprendre le français. Donc il y a les deux à la fois. Et si j'essaye donc de mettre un certain nombre de. On en trouvait pas tellement il y a une dizaine d'années, on trouve beaucoup plus maintenant les témoignages et des formations papier de ce qui se passait. Mais c'est l'école qui a été, disons, le vecteur central. Et au fond, à la fois les enseignants, pas tous, une partie, et à la fois l'administration, entretenait cela. Et au fond, on pensait que c'était un peu le prix à payer pour aller plus loin. Et donc, je dirais plutôt que ce n'est pas cette génération-là qui va être. Il va parler dans la mesure où c'est précisément cette génération qui est encore dans l'environnement qui est tel, mais ce sera la génération d'après ou la deuxième génération. Vous vous arrêtez à des périodes très récentes dans votre livre. Vous parlez effectivement du déclin des années 70, mais maintenant on est dans les années 2010. Est-ce qu'on est toujours dans cette période de déclin ou avec l'établissement de classement des cultures régionales, on voit un rebond? C'est amusant, évidemment. Mais pas du tout. Dans le sens suivant, c'est vrai que dans les travaux que nous avons faits dans notre département, c'est vrai qu'il nous apparaît assez étonnant de chercher maintenant dans l'école, disons, l'espace qui avait été celui de l'espace focalisant, précisément, qui était le endroit où ces gens ou autres que le français posaient problème. Alors, là aussi, les choix qui ont été opérés par le système éducatif ont été des choix qui sont ce qu'ils sont, et bien entendu, dans la mesure où aussi ces questions sont uniquement traitées par l'école, et d'une façon facultative, d'une façon optionnelle, etc., etc., bien sûr que ça n'a pas d'incidence, ça ne peut pas en avoir. Et ça n'est pas du tout le même discours, ça n'est même pas le même discours social, ça n'est pas le même discours idéologique, ça n'est même pas le même discours politique, bien sûr, qui est à la base. Donc la comparaison est très difficile. Et bien entendu, cette disposition ne passe pas à modifier la situation. Si ça avait été logique, il faudrait autre chose. Justement, ces autres choses, nous allons en parler avec Isabelle encore pour parler un petit peu de l'avenir de l'Alsacien. Dominique Huc, par contre, combien de temps pour écrire ce livre, pour trier, parce que je suppose que vous auriez pu en faire tout ce tome. Un certain temps. On va rester modeste alors là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. On va passer à micro très rapidement encore à Isabelle Schöpfer, directrice de l'Office pour la langue et la culture d'Alsace. Isabelle, quelles initiatives pourrait-on imaginer maintenant déjà, dans les prochaines années, pour que l'Alsacien reprenne un petit peu le vent en poupe? Dites-nous tout ce que vous faites. Alors, je vais répondre à ta question, mais je voudrais juste d'abord, si tu permets, rebondir sur deux choses, je pense, vraiment essentielles qu'a dit Dominique. Il en a dit beaucoup, il y en a encore beaucoup plus dans son livre. C'est ce côté hétérogène, extra-gauche, qui fait peur. On a toujours l'impression qu'à partir du moment où on n'est pas comme les Allemands ou pas comme les Français, on fait peur. Et c'est assez étonnant de voir cette espèce de crainte, hein, qu'on ne puisse pas se sentir français en ayant effectivement un Muttersprache
qui ressemble à, qui est une langue germanique. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est pas fini. Ça continue. On nous a dit récemment qu'il n'existait pas de peuple alsacien. Voilà, alors pour répondre à ta question, que devons-nous faire et que va faire l'OLCA? L'OLCA ne peut pas sauver l'alsacien, évidemment. Nous sommes actuellement 7 personnes, 7 jeunes femmes. Je suis la plus âgée, mes collègues sont plus jeunes que moi. Merit Oli Elsassich, ceux qui possèdent l'alsacien, le transmettent à leurs enfants. Leurs enfants vont à ABCM ou à l'école bilingue, pour vous dire que si nous sommes à l'OLCA, ce n'est pas par hasard. Donc nous essayons déjà dans nos vies, pour autant, alors je voulais lire la conclusion de Dominique que je trouve fondamentale. Est-ce que quelqu'un ne voudrait pas ouvrir ce livre? Est-ce que quelqu'un voudrait me donner un exemplaire ouvert? Autrement dit, nous à l'OLCA, on fait en fonction des moyens qu'on nous donne, en essayant d'aller dans le maximum d'endroits, rencontrer le maximum d'acteurs. Il y en a ici qui sont présents, des musiciens, des poètes, des écrivains, des chanteurs, des nounous, des instituteurs, des animateurs de cours d'alsacien, des troupes de théâtre, tous ces gens-là qui ont encore la langue en eux et souhaitent continuer à la transmettre. Elle est là. Il faut passer toutes les annexes, parce qu'il y a beaucoup d'annexes. Si tu permets, Dominique, j'aimerais juste donner lecture de ta conclusion. D'une certaine manière, la situation linguistique en Alsace est en train de se « normaliser », entre guillemets. C'est-à-dire de se rapprocher des situations linguistiques que connaissent la plupart des autres régions de France métropolitaine. C'est à la société, à ses élus, aux acteurs majeurs de sa vie sociale, culturelle et économique, aux citoyens, de décider si cette situation doit être laissée en l'état pour qu'elle puisse aller à son terme, si elle doit être aménagée pour en modifier quelques éléments ou si une intervention plus radicale est souhaitable pour en modifier son devenir. Les activistes et militants des différents camps, les partis, les syndicats, les associations, etc., devront être le levain dans la pâte pour aider la société à prendre la décision qui corresponde à son aspiration profonde, quelle qu'elle soit. Eh bien, oui, l'OLCA va essayer de continuer son travail. Vous aussi, vous allez continuer votre travail sur cette jolie fréquence alsacienne. Peu importe où elle va être hébergée, on va tous continuer notre travail. Et surtout, peut-être, faudrait-il qu'on se pose ensemble, nous les citoyens, les associations, qu'on pose à nos élus la vraie question. Que souhaitons-nous maintenant comme politique globale et transverse pour sauver notre langue, si tant est que nous souhaitions la sauver ?